Jeudi 7 novembre 2022, fait 17 mois depuis yon assassiné président Jovenel Moïse en dedans la Cali, dans Pèlerin 5. 17 mois depuis pays d'Haïti a capoté, pays d'Haïti a sombré. 17 mois, mesdames et messieurs, côté système judiciaire en de pays d'Haïti montre que pas gen an rien sérieux la régler et occuper dans pays ça. Puisque jusqu'à présent, mesdames et messieurs, Colombien yo ki nan prison, ki ta soi-disant appuyé sous détente pour assassiner président Jovenel Moïse yo, poko passé devant un juge. Donc, yo capable mourir grain par grain en de prison, nous pas même au courant. Puisque ni la justice, ni organisation kap défend droit moun, question assassinat Jovenel Moïse la pas intéressé yo. Gen pa kat moun ki te comprend que assassinat président Jovenel Moïse tap bénéfique pour yo en pile, puisque yo tap pral gagné capacité pour yo contrôler pays d'Haïti. Mais c'était bien côté mal calculé, parce que gon paquet nan yo nan moment n'a parlé là qui prend nan deux rangs, mesdames et messieurs. Ancien sénateur Thibonite et ancien président Tirès Sénat, Jury la Tortue décide, mesdames et messieurs, pour lui retirer col dans tête toute business, ou du moins dans mettant toute business que lui affilié a fait pour être capable de mener combat ça que Canada et les États-Unis lui-même décidé pour mener ensemble avec lui, comme quoi lui dans la drogue, lui dans la corruption. Mais qui est ce qui yuri la tortue, qui côté yuri la tortue passé, qui fait je jodi à la lirete youn nan pi gros homme politique que pays d'Haïti lui-même li capable rencontrer. Par bon côté parle, président du Sénat qui était à Joseph Lambert, mesdames et messieurs, décidez, lui dit, si c'est dol pour le passer en bate, si c'est dol pour le rouler à terre, retirer veste là, pour le capable de mettre yo mayo qui chiffonne tout sale, pour le correspondre avec les États-Unis à Canada, la fait, parce que pas de personne qui capable oser passer Joseph Lambert dans farine, pas de personne qui capable passer dans bêtise. Bagay yo compliqué, mesdames et messieurs, l'aime du ça, c'est pas bagay jouet, dit tout. Pas bon côté parle, chef G9 en famille et allié, maye yon nan maye tout la, Jimmy Cherizier alias Barbecue déclaré li libéré terminal la, et tout moun capable de possibilité pour yon capable vin prendre gaz, jan yon vle, façon yon vle. Mais est-ce que c'est la police qui a bay menti, ou du moins c'est Barbecue? Ensemble avec moi, nous prenons le temps des déclarations Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Coucou tout le monde, bienvenue sur Info Section Information Noire avec Fabiola Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou à rubrique Information ça. Bien avant nous aller, puis nous prenons le temps pour nous dire merci. Ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invité en famille ou en amis ou abonné à Info 5 pour être capable toujours être connecté avec bonne information. Jeudi à mesdames et messieurs, c'est lundi 7 novembre 2022. Mais avant de rentrer dans le développement Titio, hier 6 novembre 2022, yo te célébré la vie artiste haïtien qui périt 15 octobre 2022, Michael Benjamin alias Mikaben. C'est dans yon peau qui était tout noir, ensemble avec yon mouchoir jaune, que yo te mette rescendre Mikaben qui a gagné pour lui rentrer en Haïti. Ayana Miramar, artiste yo fait une grosse célébration. Côté yo remixé ensemble, musique Mikaben te chante qui c'est Haïti. Tout moun net en général te participé. Mais ça qui te pi intéressant, c'est déclaration, c'est courage ensemble avec force. Gabriel Benjamin, qui c'est premier petit garçon, Michael Benjamin. Ensemble avec moi, mesdames et messieurs, li important pour nous capables d'entendre des discours, Gabi Benjamin. C'est un coup dur pour ma famille et moi. Il était toujours heureux. Il souriait, il riait. Il faisait toujours des blagues. Je voulais aussi dire que un de mes plans, c'est de faire une fondation au nom de Mikaben. Je voudrais aussi que
tous ces projets continuent. Parce qu'il avait beaucoup de projets et beaucoup de projets. Je décide d'aller me voir en éternel ici ensemble, chez moi. Et il a demandé à la servante d'aller acheter du thé pour lui. Et puis la servante est revenue et puis elle a dit, pas guetté. Et mon papa a dit, pas guetté, garoté, thé. Je sais qu'il va nous manquer tous. Et je voulais remercier ma famille et tout le monde qui est ici. Merci d'être venu pour mon papa. Je vous aime. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec un pile force et courage que Gabriel lui-même était capé pour être capable de faire discours si là. Il y a un pile monde qui était participé tant coup ministre Kelti haïtienne Emily Prophète et surtout congressman Sheila qui était décidé déclarer que 6 novembre c'est journée nationale et internationale de Michael Benjamin. Avant de mourir, Michael Benjamin te écrit une musique qui te relie toute gloire, c'est pour mon Dieu. Musique ça qui a gagné pour lui sortir très bientôt ensemble avec voix artiste là. C'est un patrimoine que nous perdu, un monde qui était toujours campé pour défendre le pays d'Haïti dans toute sa splendeur. Un monde depuis nous connaît que Mika Ben lui-même, lui a participé dans n'importe activité culturelle que lui a, qui toujours gagné un drapeau Haïti maré sous dol et il mourit ensemble avec drapeau haïtien sous dol. Mesdames et messieurs, qui donc, il était vraiment important pour nous pas passer sous ça, pour nous d'abord participer et ouais, qui j'en bagaille yo même, j'ai été déroulé. Qui donc, dans ce moment-là, Mika Ben lui-même, gen droit à faire route pour dernière demeure li. Et, bah, c'est que il était content. Il était content, ouais, célébration, ça. Côté tout le monde y collaborer ensemble avec eux, tout le monde y était aimé, tout ça, il était considéré, tant que ses frères, tant que ses familles, tant que ses sœurs, yo, participer comme ça, ensemble avec lui. On rentre directement dans le développement titio. Mesdames et messieurs, question ça, que les États-Unis, ensemble avec Canada touché, il faut que nous connaissons que, libre à le faire, pays d'Haïti, il y a un paquet de mal. Pour qui ça m'a dit ça exactement? Il y a un paquet de gros chabrak en un pays à là, qui commence à virer nos business yo, sous nos petites yo, ou du moins nos madame yo. Mais j'en ai regardé à là, les États-Unis pas épargné personne. Ni madame, ni petite. Il y a un paquet de gros chabrak qui n'a causé alimentation en un pays d'Haïti. Quand nous pas gagner une rente de produits alimentaires, mesdames et messieurs, et la fin pral vin pi plus. Parce que moun sa yo pral peur pour les États-Unis avec Canada passer les billets yo. Ok? Donc, c'est ça qui pral la cause que pays sa li même li tombe dans yon kachaboumbe, yon crise alimentaire qui pral vin pi mal de jour en jour. Et je n'ap gade situation sa qui a déroulé en Haïti ya avec yon crise carburant. Avec dollar américain qui pas suspend augmenter mesdames et messieurs puisque dans BRH qui c'est banque centrale dollar américain gagne 126 gourdes et il va commencer dépasser limite imaginez qui quantité l'argent qui sous marché informel là donc nous avons 130 à 135 gourdes sous marché informel là pour yo dollar américain donc là n'a fait face ensemble avec yo misère et misère ça garantie nous l'ipoko a fini si nous pas décider prendre responsabilité nous n'a gardé un gouvernement qui chita qui vague qui fait comme si de rien n'était tout bagaille a passé en bagel et puis liquide yo a coulé. Eh bien Yuri la tortue mesdames et messieurs yon nan moun qui frappé par sanction les États-Unis ensemble avec Canada comme quoi l'état de corruption ensemble avec drogue en dans pays d'Haïti. Qui est-ce qui Yuri la tortue? Yuri la tortue, c'est un juriste. Yuri la tortue, c'est un homme politique. Yuri la tortue, c'est un militaire. Yuri la tortue, c'est lieutenant dans l'armée d'Haïti. Est-ce que nous comprenons qui ça veut dire? Après ça, Yuri la tortue, mesdames et messieurs, t'es participé dans la cellule anti-gang et anti-corruption qui t'a gagné dans l'armée d'Haïti qui t'a dirigé par colonel Michel François.
Yuri La Tortue prend une arrestation aux États-Unis. Le que Gérard La Tortue, mesdames et messieurs, qui était premier ministre d'alors, t'es gagné pour te voyager et qui s'est famille proche. Yuri La Tortue, il t'es gagné pour te faire une conférence au Canada. Yuri La Tortue t'es accompagné, mais elle t'est arrivée aux États-Unis. Il t'es obligé qu'un bel comme quoi il t'a participé dans la question drogue. Gérard La Tortue. Gérard La Tortue t'a prêt à faire libérer Yuri et c'est là il prend rentrer dans la politique pays d'Haïti côté il était pensé que avec yo carrière politique il t'a gagné immunité donc il t'a impossible pour te toucher Yuri. C'est là en 2006 Yuri La Tortue prend briguer premier mandat pour sénateur l'Antibonite parce que il était parrainé par Mouni qui c'était Gérard La Tortue. Yo mandat de 6 ans. Yuri La Tortue pral commencer travail pour département américain DIA lui-même ensemble avec Joseph Lambert. Donc deux moun sa yo qui frappé par sanction les États-Unis, c'est deux amis les États-Unis. Nous songe déclaration Joseph Lambert là pas vrai. Nous va songe et bien bam bam tande déclaration Joseph Lambert te fait. Est-ce que ça en force pas batouné batouné en force? Ah, on met papa tourner en comme jusqu'à présent. Quel est qui te dit papa tourner? Yo désapprouvé papa tourner. Et pour travailler, que dit mon cher, sont très bonnes initiatives. C'est pour continuer de travailler ensemble. Tu es l'ami des Américains. Ok. Depuis plus de 25 ans, on a travaillé ensemble avec vous. Nous avons confiance. Nous avons confiance dans vous. Ok. Et que faut que nous continuions. Voilà, mesdames et messieurs. L'animal politique, t'es vraiment quoi que les États-Unis gagnent des amis. Mais, toujours après, rappelez-nous que pays ça ou pas des amis, pays ça ou gagne intérêt. Et des pour menacer intérêt, y'a pas besoin qu'on ait, y'a éliminé avec un revers de main. Donc, Yuri La Tortue décide quitter tête tout business lié à fait pour être capable de combattre les États-Unis, j'en le prononcer ça. Joseph Lambert lui-même, lui paraît pour lui marcher tout tourné pour être capable de camper en face les États-Unis, même façon. Donc, nous capables de comprendre que combat ça, c'est pas un petit combat qui a pitié. Mais, conseil, bah, monsieur Sayo, c'est que, avant que nous t'a décidé de faire un bagage comme ça, réfléchis 7 fois, 77 fois. Puisque, à camper en face les États-Unis dans moment ça côté nous qui doit penser ses convictions nous c'est pour position nous que les États-Unis a fait ça c'est pour yo persécution politique et bien cause ça qu'a vinn envli maintenant mais nous OK parce que famille nous qui t'a frappé par sanction yo petit pause réfléchis et dit tête nous est-ce que nous parer pour nous lancer guerre ça tout bon vrai ensemble avec les États-Unis Claude Joseph pas bon côté pas appuyer toute sanction les États-Unis apprend, mais par contre, yon l'autre côté, il fait qu'on est, nous pas supposé attaquer Mounio pour conviction politique, yo. Est-ce que tout bon vrai, c'est pour conviction politique que les États-Unis lui-même, lui a frappé Joseph Lambert, lui a frappé Yuri La Tortue, lui commence à frapper, yo pas de monde qui fait partie de secteur privé à là, dans le moment n'a pas lié à là. De secteur des affaires là. Et nous connaissons, il y a des hommes qui prennent, je n'ai pas de sanctions tout, qui prennent que les États-Unis ont gelé bien, ont mis des scellés sur tout ça, ont possédé. Ok? Moun sa yo pral commencer à fermer business, moun sa yo pral commencer à faire gens pour virer business sur l'autre monde. Et bagala pas petit. Ce n'est pas un cause qui a prêté là. Donc là, nous avons intérêt, mesdames et messieurs, pour nous capables de comprendre qui combat qui a mené exactement. C'est un coup dur. L'autre qu'on a participé dans la cellule anti-gang et anti-corruption, et puis l'autre gardé au dos, ou c'est moun qui a financé le groupe armé, ou c'est moun qui dans la drogue, ou c'est moun qui dit, ou c'est moun qui date. Ya, c'est un coup dur. Parce que, un homme politique, t'as couru la tortue. Yuri La Tortue avec Joseph Lambert. C'est deux hommes politiques que nous possédons là qui ont carrière totale capitale. Qui connaissent qui ça a fait la politique en le pays d'Haïti. Donc, on va pas parler de politique, sauf pas c'était Yuri, sauf pas c'était Joseph Lambert. Je dis à là, nous voyons que yon tombé dans Kachaboumbe ça, yon tombé dans Trololo ça. Faut que nous posions nos questions qui ça qui a passé. Est-ce que c'est un piège? Ou du moins, yon gagne un bagay pour être tout bon vrai ensemble avec groupe en messa yo.
Dans le moment où on a parlé là, mesdames et messieurs, vite l'homme a valétéré. Vite l'homme qui a atterri Delma 75. Et d'après information qui arrive à nous, vite l'homme a distribué des enveloppes avec une green cartouche dans le mail, des séries commerçants, des séries moun qui gagnent business, gros business. Est-ce que nous comprenons qui ça, ça veut dire? Donc, si nous quittons vite l'homme à gagner terrain comme ça, imaginez-nous vite l'homme qui prend jusqu'à Delma, de Torcel à Delma. Nous avons 400 maozo dans le quartier bouquet. Ok? Nous avons chien dans la zone quartier mission. Nous gagnons Timakak en l'air la boule 12. Nous gagnons Iso, ok, le trio magique. Iso, il a pris Chris là, qui est bien menti en otage. Nous gagnons Gang Canara. Dim exactement qui ça nous pral faire dans le pays ça si nous chita racroiser, n'a pas gardé. Dim qui ça nous pral faire dans le pays ça. Parce que pas gagnons rien nous capable faire tout bon vrai. Je dis à la. L'important pour nous capables de garder le problème en face. C'est ça que je dis toujours, nous, Jovenel Moïse, pas ta capable mourir. Parce que Jovenel Moïse a choisi de virer dos, bah, yon paquet de bagaille, pour le capable de faire face ensemble avec le peuple haïtien. Mais c'est bien dommage, peuple haïtien, pas de jambes capable d'arriver à comprendre. Dernier moment, président Jovenel Moïse, quand il était décidé de camper en face secteur privé, nous pensons que c'était un coup double. C'est une question de coup dans dos, c'est une question de disdate. Jovenel Moïse a pris les mains, non? Il savait très bien que sa position était capable de tuer. Il découvrit très bien que comment se camper en face bourgeois, comment se camper en face oligarque, comment se camper en face les États-Unis, République Dominicaine, ça était capable d'assassiner. Mais il a quand même fait. Il l'a quand même fait. Pour qui est-ce pour papa ici, mais qui va la mourir, la mourir là, je dis à la, qui est-ce pour donner qu'à prendre justice pour président Jovenel Moïse, je dis à fait 17 mois depuis l'assassinat. Ok? Donc, je pense que le problème, il faut que nous commençons à prendre pendant racine. Il faut que nous commençons à prendre à la base. Nous ne pouvons pas débrancher parce que tout le monde a débranché. Ça qui n'est pas bon, c'est tout autant racine. Lui-même, il continue à bourgeonner. Donc, il est clair là en Haïti que ça qui a fait là, il y a un paquet de gros raisons derrière. Kounya là, c'est qui raison yo ye exactement parce que il est vraiment important pour nous connaître qui combat a mené, qui côté combat a mené nous et qui gens nous pral mener combat si là. Jusqu'à présent, gen moun qui sorti cité soleil qui sous place Hugo Chavez. Puis passer 3 mois. Mais nous fait comme si de rien n'était. Et bien puis devant mesdames et messieurs, gen bagay que nous beaucoup capable comprendre entre Jimmy Cherizier avec la police nationale d'Haïti. La police dit que yo gen contrôle varu. Jimmy Cherizier c'est quelqu'un qui gagne orgueil, qui pa jam di nou ki quantité nèg li perdu. Mais nous connaissons que la police nationale d'Haïti li vide kek nèg G9 en famille et allié, mais yon mwen tout atté. OK? Kounye la mesdames et messieurs, la police dit gen contrôle partiel situation. OK? Nan varu, donc yo sincère, yo pa di que yo gen contrôle total là. Mais Aya Jimmy Cherizier font déclaration là, sous déclaration qui démentit yon paquet allégation, et c'est une déclaration nous pas obligé quoi tout à 100%, l'elle dit pas de pièces de négociation qui fait avec gouvernement, li décide de propre gré pâle à toute réunion qui fait dans G9 pour libérer terminal là, et tout le monde capable de commencer à venir prendre gaz. Ensemble avec moi, en temps de déclaration, Jimmy Cherizier. Nous-mêmes, dans la force révolutionnaire, Genève en famille et alliés, main youn, main tout. Saluer société ya, en général. Ak sitou jen garçon ak jen fom kap batay pour la vie miyo. Nap suiv ak an pil attention. Sa kap di a sa kap fait concernant Haïti. Situation vin pi mal et pi tris.
Nous prenons note des comportements acteurs société civile et acteurs politiques qui refusaient de mettre tête ensemble sans hypocrisie. Nous, dans la force révolutionnaire, Genève en famille et alliés, Mayoun, Mayoun tout, nous avons demandé à tout chauffeur camion, à tout le monde qui concernait la question gaz là, pour prendre toute disposition pour permettre gaz la sortie et aller dans la pompe. Nous, force révolutionnaire, Genève en famille et alliés, Mayoun, Mayoun tout, nous ne pouvons jamais négocier, ni voir qui compte monde à négocier avec Ariel Henry. Nous prenons décision ça entre nous, la force révolutionnaire, Genève en famille et alliés, Mayoun, Mayoun tout, pour permettre gaz la sortie. Et nous voulons pour le peuple qu'on est. Ce n'est pas une décision nous prenons parce que nous négocions quoi que ce soit avec Ariel Henry. Jodi a, situation tête chargée pays a tombé là-dedans. Ce n'est pas nous, la force révolutionnaire, Genève en famille et alliés, Mayoun, Mayoun tout, qui est responsable. Nous, dans la force révolutionnaire Genève en famille et alliés, Mayoun, Mayoun tout, nous sommes patriotes, nous sommes nationalistes, nous sommes les gens qui portent le pays ça dans nous. C'est parce que nous portons le pays ça dans nous qui fait nous pas jamais violer et kidnapper les gens dans le quartier nous. Bataille nous, dans la force révolutionnaire Genève en famille et alliés, Mayoun, Mayoun tout, c'est bataille pour changer les conditions de la vie. Moun nan ghetto yo, nan section communale yo. Bataille nous, c'est bataille pour yon lot Haïti. Côté nous fiers pour dire nous c'est haïtien. Pour me finir, m'a posé peuple là quelques questions. N'a répondu yo pour contre nous. Un, est-ce que nous remet condition n'a vivre là? Deux, est-ce que nous gen sécurité pour nous sortir Jean Nouvelé sans qu'elle saute? Trois, est-ce que petit nous ka aller l'école sans nous pas peur pour ne pas kidnapper? Quatre, est-ce que nous avons l'hôpital caille ak manger pour nous manger? Si nous privé de tout bagay sa yo, moment arrivé pour nous prendre destin nous en main. Encore une fois, chauffeur yo ak employé terminal varé ka descend sans qu'elle saute. Et n'a demandé à moun qui concerné yo pour yo voyer nettoyer toute zone nou yo et tout l'autre côté qui chargé ak fatra. Nous souhaitons si moun nou yo tourner l'école plus vite que possible. Nous souhaitons la vie chère baisser plus vite que possible. Vive peuple haïtien, vive force révolutionnaire Genève en famille et alliés, Mayoun, Mayoun tout, que ça sept nou yo béni Haïti. Merci. Et voilà, nous sommes dans des déclarations Jimmy Cherizier, mesdames et messieurs. Et vraiment nous confuse. Situation vraiment, mettez-nous dans une position inadmissible. Pas oublier, jeudi a fait 7 mois depuis qu'on a assassiné président Jovenel Moïse. Jusqu'à présent, enquête là, pas pral pièce côté. Il y a un paquet de monde, mesdames et messieurs, qui positionné là. Il y a un paquet de monde qui décide de dire Jovenel Moïse pas besoin de justice. En tout cas, nous souhaitons que tout bagay rentre dans l'ordre et que le gouvernement prenne responsabilité pressé pressé. Éphéméride nous pour jeudi 7 novembre, mesdames et messieurs. 7 novembre 1914, David Théodore vint président pays d'Haïti. Il était chef de l'armée correctionnelle en février 1914 qui a subi une défaite face ensemble avec troupes au reste Zamor 8 février 1914. Donc David Théodore finit même genre ensemble avec prédécesseur Lio côté il était obligé passer dans l'Assemblée nationale pour te faire tête li élire. Gouvernement là te prend fin quelques mois plus tard, soit 22 février 1915. Nous connons ti musique, on ti chante sous président ou assassiné yo. Quelque là dans yo. C'est que ça dit Michel reste un, au reste à mort deux, la vie de Mathéo d'or trois, Filmo Guillaume Sam,
7 novembre 2009, mesdames et messieurs, ratification de nomination Jean-Max Bellerive comme premier ministre désigné par Chambre des députés. Côté l'été ministre deux fois déjà dans le gouvernement précédent avec René Préval. Mesdames et messieurs, côté yote censuré quelques heures à peine et Sénat est allé à l'encontre de Michel Pierre-Louis le 30 octobre. Côté yote ratifié Jean-Max Bellerive ensemble avec une majorité confortable de 52 voix. Proverbe nous pour jodi a c'est nan chemin jene yo kembe choual malin. C'est nan chemin jene yo kembe choual malin. Et c'est là nous mettez bout à rubrique nous pour jodi a. Merci d'être que vous like, commentez, partagez. Merci d'être que vous invitez vos familles ou vos amis ou abonnez à Info 5 pour être capable de bonnes informations. Nous bon rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Restez bénis, protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.